Il y a des prêtres de Boma qui sont décédés, mais c'est chacun qui a connu son parcours de maladie. Je commencerai par l'abbé André Jacques, qui est décédé le mardi 22 en Allemagne. Je crois que ceux qui suivent l'actualité du diocèse, ils savent qu'il est en Europe depuis plusieurs années. Il est parti là-bas pour les soins et il a suivi les soins appropriés en Allemagne, en Suisse d'abord, puis en Allemagne. Mais voilà que le cas était fatal. Le destin de Dieu a fait en sorte qu'il puisse rendre l'âme le mardi. Et il a été suivi par des très bons médecins en Europe. Mais ça n'a pas marché, c'est la volonté de Dieu. On a
pas à se rebeller, à se révolter contre la volonté de Dieu. Alors, il y a aussi l'abbé Justin qui est décédé lui le lundi. L'abbé Justin, depuis quelques années, il connaît des ennuis de santé. Et particulièrement cette année, je crois que pendant 2 mois et demi, il a été hospitalisé à la polyclinique diocésaine de secours, Exemabaku. Il est sorti vers le mois de mars, si je m'abuse. Bon, il s'est retrouvé un peu. Il a même participé au synode. Et il n'y avait aucune inquiétude. Il s'est fait que le dimanche, après avoir célébré chez lui à la paroisse en Vango, il a connu une rechute. Et quand on nous informe, on a appelé directement l'ambulance de l'hôpital général de Kangou pour aller le dépêcher. L'ambulance s'est rendue là-bas, on l'a pris, on l'a amené à Kangou pour des soins, des premiers soins. Malheureusement, la situation s'est compliquée déjà aussitôt arrivé à Kangou, ce qui fait que le conseil de médecins de Kangou a décidé qu'on le transfère à Mabaku. Il est arrivé à Mabaku le lundi à midi et les médecins de Mabaku l'ont pris en charge. Malheureusement, autour de 16 heures, il a rendu l'âme. Mais quand il vient à Mabaku, il y a trouvé l'abbé David qui lui aussi était malade depuis plus de 6 ans, on peut dire. Il a commencé par Mabaku, on l'a transféré à Kinshasa et à Kinshasa, il a fait plus de 6 ans. Il a été à Saint-Joseph, à Bondeko, partout, et puis bon, voilà. Il est revenu pour la convalescence. Et la santé ne s'était pas rétablie totalement. Ce n'est pas par négligence ou quoi. Il était toujours suivi, même au niveau de Monseigneur Soumbou, où il résidait. Et lui était déjà là à Mabaku. La situation n'était pas bonne depuis de très longues périodes. Et voilà que, par concours de circonstances, les trois se sont succédés pour mourir, mais c'est chacun qui a connu son histoire de maladie. Et les trois, on peut dire qu'ils ont connu quand même de très longues périodes de maladie. Ce n'était pas qu'ils sont tombés malades le même jour, ils sont décédés, non. Ils ont connu un parcours et où ils ont été suivis. Donc, demain, lundi, il y aura
la veillée à la paroisse Saint-Charles-Louanga pour les deux qui sont décédés ici, l'abbé Justin et l'abbé David. Et nous continuons à attendre le programme de rapatriement du corps de l'abbé André-Jean qui est décédé en Allemagne, qu'il vienne. Et mardi matin, on va se diriger à Kangou pour la messe des funérailles et puis l'enterrement. Une douleur au niveau de la famille diocésaine, le clergé de Boma. C'est une douleur qui nous a tous frappés. Et comme les expriment déjà les uns les autres, nous ne pouvons qu'accepter la volonté du Seigneur, prier pour le repos des âmes de nos confrères, que le Seigneur veut les rappeler auprès de lui. Et pour les familles biologiques, c'est un encouragement. Nous les exhortons à ne pas perdre foi, à accepter la volonté du Seigneur et à rester unis. Et surtout à prier aussi pour le repos des membres des familles qui viennent de perdre la mort de leurs enfants, de leurs frères ou quoi, que cela ne soit pas un motif de division des familles, au contraire, qu'ils se retrouvent autour pour qu'ils aient l'occasion de parler de la famille, de resserrer davantage les relations de famille et de prier les uns pour les autres et surtout pour leur repos. Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaire, émission, découverte, concert, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez,
partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.